Stop. Équipe infernale. Porte-nous Bosco sur la cale 3. Bien, commandant. Alors, Angelotti, ça vient? Voilà. Reviens un peu, mon vieux. Allez, va cocher ta lumière sur le taquet. Bon. Vous voulez les voir, commandant? On ouvre la cale 4. Vous l'entendez? Oui, des juifs pour la Palestine. Ils ne peuvent pas rester en place, ces gens-là. C'est pas leur faute, personne n'en veut nulle part. Faut bien qu'ils aillent ailleurs. N'ayez pas peur, madame. Descendez les bagages. Le nom? Dina. Allez, il manque 40 000. Il y en a deux qui n'ont pas pu venir. Ils ont changé d'avis? Non. Ils ont clamé. Oui. Ils t'avaient payé avant. Pas moi. Agence. Tu me dégoûtes. Tu aimes trop le fric. Mais avec ça que vous y crachez, vous, sur le pognon. Bon, écoutez-moi, capitaine. Nous sommes du même bord. Alors la seule différence, c'est que vous, vous vous prenez pour un monsieur et pas moi. Voilà. La différence, c'est que s'il y a un coup dur, c'est pas toi qui boiras la tasse. Il faut le camp, hein. Allez, sans rancune, à Bouscard. Bonne brise. Tu vas la revoir, ta maman, parce qu'elle descend sous la pluie. Oui, madame. Non. Allez, on suit. N'ayez pas peur, madame, je suis là. C'est trop vrai, ce mur. Dégagez par là, madame. Ma kleine Mädel. Ma kleine Mädel. Tiens, veille l'amour. Qu'est-ce qu'elle a, cette petite? Attention, tout. Is very ill. She's expecting a baby. One moment. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Voulez-vous sortir tout de suite? Et plus vite que ça. Allez, passez par là. Yeah.
soir. Papa. Tu as amené de quoi lire, en tout cas. Du l'air parfait, si vous voulez. C'est plein de pinottes. T'as besoin de ça, à ton âge? Alors, activez. La porte à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voudrais bien le savoir. Et d'où est-ce qu'ils sortent? De la cale 4. Je les ai pêchés derrière les diverses. Au nom de Dieu, de bon Dieu, vous avez bien besoin de deux passagers, ce coup-ci. Qu'est-ce que vous foutez à mon bord, hein? Comment t'appelles-tu? Fais voir tes papiers. J'en ai pas. Tu as un nom, quand même. Ah, ils sont beaux, vos clandestins, Pascal. Mes compliments. Quand êtes-vous monté à bord? La nuit. Bravo, monsieur Pascal. Ça, c'est du joli. Alors, votre homme le coupé, où il était? Il ronflait, il était saoul? Pendant ce temps-là, tous les voyous du port se répandent dans mes cales. Ça ferait bien sur le livre de bord, hein, putain de sort. Et toi, la fille, t'as pas de nom, toi? Hein? T'as pas de papier, toi, non plus? Ça vous ferait rien d'être poli avec mademoiselle, oui? Mademoiselle, je t'en fous le trait de mademoiselle. D'abord, ici, quand c'est moi qui parle, on la boucle, tu as compris? Je suis le commandant et tu t'en apercevras. Ben, si vous voulez pas qu'on vous réponde, posez pas de questions, alors. Pas besoin de tout vos mensonges, hein? Je vais vous regarder pour comprendre. C'est du propre. Avec quel argent vous êtes-vous sauvé? Hein? Et vos parents? Vous en foutez qu'ils se fassent du souci pour vous. Seulement, la vie, c'est pas comme dans les romans. Ça vous coûte cher, votre voyage de noces, ce bourreau de petit malhonnête? Vous n'allez pas nous renvoyer? Mais commandant, on va vous ramener à la joyette avec la fanfare, hein? Justement, on a que ça à faire. Par exemple. Bon. Vous appelez Robert de Grieux, n'est-ce pas? Et elle? Manon. Manon comment? Lescaut. Parle-t-elle dans votre canard? Non. Contactez Marseille en vitesse. Notez. Police centrale, Marseille. Non, non, commandant, ne faites pas ça. Je vais me gêner. Vous signale présence à bord. Robert Desgrieux, embarqué clandestinement avec complice, fille Manon. Mais qu'est-ce que vous débloquez? Elle n'est pas dans le coup, elle m'a suivi tout simplement. Un peu de silence, voulez-vous? Stop. Remettrez fugitif à police Alexandrie. Stop. Signé Bousca, commandant, etc. Vous me donnerez l'heure de l'accusé de réception. Monsieur, je vous en prie, je vous en supplie. Si vous saviez. Ben, nous savons. Débarrasse-moi cet individu, Pascal, que je le revois plus. On le met dans le poste. Jamais de la vie. Colle-le dans le frigo, montre-lui la manœuvre, il relèvera l'agresseur. Allez, on... Robert, ne me laisse pas. Ne t'en fais pas, Manon, ils nous en ont pas. Vous n'avez rien à me dire? Je viens de dire que tout a baissé d'un degré. Fais attention à ton boulot, sans ça tu feras ballon de soupe ce soir. Encore vous? Vous avez l'argent? Où voulez-vous que j'en trouve ici? Pas d'argent, pas de clé. Je vous en prie, monsieur. Comprenez-moi, on va bientôt arriver. Ils vont nous séparer. Donnez-moi encore cette nuit. À l'œil? Pensez que je ne leur verrai plus. Vous avez été si gentil. Moi aussi, je peux être gentille. Chérie. Devine-toi, fauché. Des portilles de temps. Si ça ne bolit pas, on n'arrivera pas avant le jour.
On prévient quand même les immigrants? Non, non, jamais de la vie. On les aurait dans les pattes pendant 4 heures. 3 heures. On dit le 8 ou 9? Non, 7. 8, commandant. Je relevais moi-même le lock au second cas. Ouais, enfin, je vais voir ça moi-même. Ne reste pas là, tu vas prendre mal. Je peux rester avec toi. Je sens la pluie qui coule sur ton bras. Rentre à l'abri, je t'en supplie. Puisque je t'ai dit que je ne veux pas. Je t'aime, Robert. Tu sais bien. De bon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire toute seule? Sans argent. Pourquoi lui as-tu tout donné? Pour te voir. Pour te toucher. Je lui aurais donné n'importe quoi pour l'avoir encore, cette fille. Mais il voulait que de l'argent. Il m'a tout pris. Et qui vous a tout pris? C'était là. Mais qui vous a tout pris? Le médecin de tête. Allez, venez. Non, venez, c'est venez, pas. Suivez-moi. C'est nul. Non. Commandant. Commandant. Tout y est. Parlons de tout ça plus tard, monsieur Bernier. Vous pouvez disposer. Merci, commandant. Moi, j'aime mieux ça, je suis bien content. Comme ça, tu pourras prendre une cabine pour rentrer en France. Sois pas bête, Robert. Je te quitterai jamais. Là où il va, vous ne pourrez pas le suivre. Je me tuerai? Ne donne pas de bêtises, non, à votre âge. Avec tout ce qu'on a vu, à notre âge, on est déjà vieux. Je comprends pas, moi, je comprends rien. À vous voir, vous n'avez tout de même pas la touche d'un assassin. Comme on se trompe, hein? À vous voir, on vous prendra jamais pour un marchand de viande. Robert. Quoi, Robert? Il m'accrotte les juifs, ni plus ni moins. Non, monsieur, j'ai pitié de... Alors, ayez pitié de nous aussi. Laissez-nous partir avec eux, commandant. Vous en avez du culot. Mais ils n'ont rien fait, eux. Nous non plus. Mais... on dirait que vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est tout de même quelque chose de tuer un homme, non? On n'a pas toujours dit ça. J'ai fait la guerre, vous savez. À votre âge? Dans le maquis. Je croyais encore à un tas de trucs à ce moment-là. J'étais pur. Et pourtant, on a été formés de bonne heure, nous autres. Déjà au lycée, on faisait du marché noir. Comme les grands. Tes parents aussi? Mon père était en Angleterre. Ma mère pleurait toute la journée sur son livre de compte. Elle avait peur de tout. Des Allemands, des filles. Des filles. Moi, à 19 ans, j'en avais déjà soupé. C'était trop facile. Alors, j'avais envie d'autre chose. Autre chose de bien, de dangereux. Je suis allé me battre. Alors, évidemment, si j'étais resté comme les autres à Clermont-Ferrand à vendre des cigarettes, j'en serais pas où j'en suis. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Je regrette rien. Parce que sans ça, j'aurais pas rencontré Manon. Vous êtes trouvé dans le maquis? Tais-toi donc, Bob. Quoi? T'as honte, maintenant? Non, commandant, pas dans le maquis. Dans une petite ville de Normandie. Un jour, on marchait avec les Américains. Ça cavait les fermes. Eux, ils allaient devant. Nous, on faisait du nettoyage de rue. Allez, venez. Eh, madame, vous voyez? Eh, tiens, prends ça, toi, et passe-moi ton fusil. Merci, mon lieutenant. T'entends? Eh, Robert, et vous deux, venez avec moi. C'est à voir. Ta mère tenait le bistrot, c'était toujours plein de frites. Où est ta mère? Je sais plus. Et votre père? Prisonnier. Attends qu'il revienne, il te fera lancer. Bon, allez, on a marre à la tondeuse. Hé, vos gueules là-dedans.
Les otages. Ils les ont fusillés avant de partir. Croyez qu'elle ne mériterait pas une bonne correction? Alors, mon rapport, hein. À côté de tout ça, c'est pas bien grave. Et mon Dieu, tout est grave. Allez, maintenant, ça suffit, lâchez-la. Si elle a mal fait, elle sera punie. Quoi? Oh, bah non, tout de même. Elle a droit à la justice, comme tout le monde. Sans blague. Vous emmenez cette demoiselle à l'église, tu la garderas jusqu'à ce que je revienne, et puis ce soir, on la conduira au MP. Ah, mais non, je lâche pas les copains. Allez, discute pas, mon vieux, fais ce qu'on te dit, quoi. Attention, mon lieutenant, c'est une mauvaise bête, là, Banon. Il est pâli, il l'a serré. Qu'il faut que je vous remercie. De quoi? M'avoir tiré de leurs mains. Sans votre ami, je serais morte à cette heure-ci. Non, n'exagérons rien. Si, je me serais tuée. Vous croyez pas que j'aurais pu vivre après ça? Fallait y penser avant. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Les filles étaient venues tous les soirs au café. Je pouvais pas rester dans mon coin. Alors je leur causais, un peu. Puis vous alliez danser avec eux? Ah non, alors. J'allais pas les emmener chez un concurrent, non? On a fait installer un pick-up. Et vous n'avez pas honte? Ils étaient pas méchants avec nous. Pas méchants. C'est par amitié qu'ils ont fusillé 10 personnes avant de partir. Hein? Puis quoi, vous savez bien ce qui se passait dans les camps? Quel camp? Vous n'écoutiez pas la radio anglaise? Oh, moi, vous savez, la politique. Oui. Vous comprenez rien à rien, hein? Eh bien, vous en faites pas. On vous fera comprendre. Est-ce que ça rend les hommes mauvais, la guerre? Si les Américains étaient venus les premiers, j'aurais pas demandé mieux, moi. C'est bien fait pour vous. Vous restez tranquille maintenant. Bien sûr. Tu me feras ça, toi. Ça va, je me prends. Si vous recommencez, je vous attache. Taillez ma robe déchirée. Est-ce que vous pouvez être lâche? Je vous ai greffé? Oh, ben, je pense exprès. Et vous faites rien exprès, bon, c'est bien. Comment vous appelez-vous? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, rien. Moi, c'est Manon. Ça m'est égal. Et puis d'abord, je vous interdis de me parler, vous êtes ma prisonnière. De se ben. Oh, c'est la même chose partout. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Vous êtes folle? Je recommencerai pas. Vous n'en aurez pas beaucoup l'occasion. Cette fois, c'est réglé. Ils ne reviendront pas de sitôt, vos copains. On va me mettre en prison? Il y a des chances. Mais qu'est-ce que ça me fera comprendre? Ça me rendra laide et méchante, c'est tout. Vous me trouvez jolie? Oui, alors? Alors, laissez-moi partir. Je vois pas le rapport. Où allez-vous m'emmener? Au chef-lieu, sûrement. Ça nous fera une petite balade ensemble.
La première. Et puis... on ne se reverra plus. Jamais. Mon Dieu, planquez-vous! Ça gâche, tout est nettoyé. Allez, en route. Ben, où est la petite? Partie. Et t'as pas pu l'empêcher? Non, je l'ai laissé partir. Exprès? Oui. T'as fait ça, toi? Et pourquoi? T'es devenu fou? Peut-être. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Allez, rends-moi ta pétoire. Allez, allez! Et ta copine, on la repincera, salut. Ménard! Quoi? Qu'est-ce que je fais? M'en fous, fais ce que tu veux. Ce soir, tu t'expliqueras avec le commandant. Merci. Je vous en prie. Pourquoi avez-vous fait ça? Je sais pas. Qu'est-ce qui va vous arriver? Soyez tranquille, on ne fusillera pas. Mais la tôle sûrement, et encore pas tout de suite. Le plus grave, c'est que j'ai perdu un copain. Vous avez gagné une amie. C'est pas mieux? Comment vous appelez-vous? Robert Desgrieux. Robert? Si je vous dégoûte pas trop. Embrasse-moi. Je crois que je t'aime. Moi aussi. Ça alors? Ben oui. Formidable. On va être heureux, tu sais. On se quittera plus. Si c'était possible. Qu'est-ce qui nous en empêche? Mais tout, chérie. Tu vas partir de ton côté, puis moi du mien. Tu vas t'en aller, toi? À Paris. J'ai mon frère là-bas, il m'aidera. Je vais tâcher de le rejoindre. Je filerai quand il fera nuit. Toi, toute seule sur les routes, ça, je veux pas. Tout plutôt que de rester ici. Non, ça c'est pas possible, je t'empêcherai de partir. Attends-moi. Robert! Va! Ne fais plus, je ne m'occupe pas! Ne t'inquiète pas, mon chéri, je reviens tout de suite. Attends-moi. Robert! Te cherche partout. Oui, je sais, je l'ai vu. Je crois que voilà notre affaire. Je crève de faim, pas toi? Je sais pas. Oh, je suis trop sommeil.
Y a quelqu'un? On n'entend rien. C'est comme s'il n'y avait plus de guerre. Il n'y a plus personne. Rien que nous deux. Ouvrez! Peut-être quelque chose à la cuisine. J'ai plus faim. Tu veux t'allonger? J'ai plus sommeil. C'est drôle. Ce matin, on s'était jamais vu. Et puis ce soir, voilà ensemble dans une chambre. Comme deux jeunes mariés. Blague pas, Manon. Un jour, on sera mariés pour de vrai. Avec un voile blanc? Bien sûr. Chic alors. Dis donc, Robert. Je voudrais te dire. Tu sais, c'est la première fois. La première fois? La première fois que je suis avec un garçon seul dans une chambre. Tu me crois? Bah, dis que tu me crois, dis vite! Je te crois. Les autres, ils auraient bien voulu pour sûr. Mais ils pensaient qu'à me tripoter, ils savaient rien dire. Toi, tu sais. Dis-moi encore une fois que tu m'aimes. C'est plus fort que les mots. Si tu savais. Je sais pas. Moi aussi, j'ai envie de toi. Alors, les zingueurs, il fait beau là-haut? Oh merde, j'en ai marre. Trois jours, j'ai pas descendu de mon toit. Ça gosse des potes, ils tiennent plus qu'au Luxembourg. Oui, ben croyez-vous, ça part encore au bois de Boulogne. Si on demande du monde, on met trop muet. T'en fais pas, t'as le bon goût. On les aura, les prix. Alors, mon pote, tu viens avec nous? Pas aujourd'hui. Dis donc, c'est bien ici. C'est riche. T'es sûr que ton frère y habite? Je sais plus. Demande. Y a plus de gens. Monsieur Lescaut, s'il vous plaît. Appartement 17, au troisième. Profitez que l'ascenseur remarche. Ça durera peut-être pas toujours. Attendez une seconde, je vous annonce. Allô? Allô, oui. Quoi? Et bien sûr, et tout de suite. Elle est marrante, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? Là, ma soeur qui se ramène. T'as une soeur, toi? Et une patte encore, ferme ton peignoir, de quoi t'as l'air. Ah, pour une surprise, hein? Bonjour, Léon. Ben, ça fait plaisir de se revoir. Entre, et pas peur, c'est tous tes amis. C'est que je suis pas toute seule, Léon. T'es pas avec maman, j'espère? Non. C'est mon fiancé. Ton quoi? Oh, il est bien, tu sais. Je te raconterai. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Entrez, monsieur Manon. Bonjour, monsieur. Allez, entrez. Justement, vous arrivez bien. On était en train de boire une bouteille. Vous direz ce que vous voudrez, c'est un beau jour. Ça ne s'arrose jamais assez. Ah, t'as raison. Dépêchons-nous d'être contents. On en reparlera dans 6 mois. Ça m'aurait flatté que tu vois pas le mauvais côté. Oh, c'est peut-être pas si bon pour les affaires, la libération. Espère un peu. Quoi, les affaires? Pour que les gens vont plus bouffer parce que les frisés s'en vont. Bah, on verra bien. À la santé du tourtereau. Alors comme ça, vous allez vous marier? Bah, dis donc, j'espère bien. Je crois pas que je laisserai ma soeur faire la noce avec un gigolo, non? Et où allez-vous vous installer? Je sais pas trop. Pardon? On n'est pas très riche. On a 30 000 francs. Mais mes enfants, avec ça, vous n'êtes pas fauchés. Ah, ils vont durer 15 jours, vos 35. Et encore, en faisant gaffe. Qu'est-ce que ça fait? On n'est pas pour rester, non, Manon? Non, bien sûr. Le temps de prévenir papa et... Je l'emmène à Clermont-Ferrand. Si c'est ça, pourquoi vous n'habiteriez pas ici? Oh, ça quand même, on n'est pas assez riche. Oh, Robert, on serait si bien ici. N'en faites pas, je vais vous arranger ça. Allez, venez avec moi. Je connais les tauliers. Pour le moment, c'est un peu encombré, mais la FFI, ça ne durera pas toujours. Elle est chouette, sa frangine, hein? Oh, t'as pas honte? Un vieux cochon comme toi? Oh, ma petite, hein? Toutes les femmes se couchent. Suffit d'avoir le matelas.
Elle va avoir besoin d'un tas de choses. C'est bien ça que je n'ai plus rien à me mettre. J'ai besoin de tout. Alors, mon chéri, sois raisonnable. Tu sais bien qu'on est juste. Je ne sais pas toi qui t'enverras la dernière nouveauté à quarantaine. Regardez ma belle, regardez-moi ça, c'est joli. Ça ne te plaît pas? Oh, ne pense pas qu'à l'argent. Et puis quoi, l'argent, ça se trouve? Il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser. Ah, mais c'est pas tout de gagner, faut aussi savoir le dépenser. Pas vrai, Léon? Je demande qu'à apprendre, tu sais. Ah, t'en fais pas avec moi, t'iras loin. Ceux qui me plaisent, ils ne le regrettent pas. Hein, Juliette? Oui, ça va, passe la main. Oh, bah quoi, fais-moi un sourire. C'est cette robe-là qui te botte? Vendu, mademoiselle. Sirène, 18 000 francs. Le prix, je m'en fous. Charlotte! Eh bien, ma petite Manon, qu'est-ce que vous en pensez de ces plures? Oh, ça me plaît. Laquelle vous préférez? Toutes. Si j'étais riche, je me les paierais toutes. En tout cas, celle-là, vous moulerez gentiment. Vendu, je la prends aussi. C'est noté. Enlevez, c'est pesé. Oh, c'est trop beau, c'est pas possible. Voyons, monsieur Paul, je ne permettrai pas. Alors, mon bon ami, faites pas le gamin. Je sais mieux que vous ce qu'il leur faut à ces petites femmes-là. Ce qu'il leur faut, c'est des nippes et de la rigolade. Un peu. Fais attention, t'exagères. Tu vas fort, tu sais. Si là donc tranquille. Vous voyez pas que vous la rasez, non? Ah, si j'étais à votre place. Oui, ben vous y êtes pas. Je le regrette pour moi. Et pour elle. Vous n'êtes jamais retiré dans une classe, non? C'est gentil pour moi ce que vous dites. Laisse, cocon. Mon jeune ami, j'ai peut-être pas reçu comme vous une excellente éducation, mais je sais me tenir avec les gens qui m'invitent. Eh ben, Paul, qu'est-ce que tu fais? Nous l'en tirons. Viens, cocotte. On les met. J'ai payé. Comme d'habitude. Paul s'en va? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a que monsieur est grossier envers mon meilleur ami. Un homme dont je dépends. Un monsieur qui a tout le pinard du midi dans sa manche. Tu sais vraiment pas vivre, mon petit Robert. Pas genre de bien, en tout cas. Et heureusement qu'il n'y en a plus pour longtemps. Ah, ce coup-ci, on s'en va. Il y a un mandat? Oui, de quoi régler ici et prendre des billets pour Clermont-Ferrand. C'est tout? Ben, ça suffit. On a assez fait de folie comme ça, non? Et puis papa marche plus. Il a été bien gentil, mais maintenant il est pressé de nous voir, ça se comprend. Moi aussi. Il a bien vu que sans toi, il n'y avait rien de faire. Tiens, écoute ça. Ta mère et moi ne comprenons rien à ce retard après une telle absence. Tu devrais avoir hâte de nous faire connaître celle que tu as choisie. Et ses filles? Mais non, mais non. Nous sommes sûrs que malgré son jeune âge, elle est digne de toi. Et que tu n'introduiras pas dans notre famille une jeune fille dont ta mère ne pourrait pas être fière. Non, mais pour qui elle se prend? Ne dis pas ça, elle est si gentille, tu verras. Pas envie de voir. Comment? J'ai pas envie de quitter Paris. La province, j'en ai soupé. Enfin, mon chéri, mais notre mariage. Eh ben quoi, notre mariage? On sera pas plus heureux. On s'aimera pas plus. Pas vrai, Gilbert? Certainement, mademoiselle. Non, mais dedans, vous. On peut pas rester ici, c'est impossible. À cause de l'argent? T'en fais pas, je vais en avoir. Il y a quelqu'un qui m'a promis une place. Une place? Qui ça? Monsieur Paul. Je le connais, ce genre de place. Eh ben, c'est loupé, vous vous êtes levé trop tard. J'emmène la petite, on sera après-demain à Clermont-Ferrand. Vous avez compris? Encore une fois, très poliment, veux-tu me foutre le camp? Vous imaginez qu'avec votre sale fric, vous pouviez tout acheter. T'en as quand même croqué un petit peu de mon fric, toi, hein? Salaud! Et alors? Bien fait. Mon pauvre chéri. Je rattraperai, mais c'est pas fini. Tu rattraperas rien du tout, tu vas tenir peinard. Moi, tu sais combien ça me coûte, ta jalousie? Tu t'en fous, hein? T'as le fric de papa derrière. Seulement, moi, je vis de mon travail, tu comprends? Et du travail, j'en ai plus. Paul m'envoyait bouillir. 500 billets qui sont à cause de toi, parfaitement. Ce soit pas injuste. Et ça, c'est juste? Et vous m'emmerdez tous, c'est compris? Et toi aussi! Entrez! Papa. Et puisque Robert le saura pas... C'est pas la question, Paul me dégoûte. Et raison de plus pour lui prendre son fric, mon chou. À nous deux, on pourrait lui en piquer, je te jure. Quoi, c'est d'habiller pour de bon? Ça ne te dirait rien, toi, la sécurité? Mais moi, je me sens un homme de bourgeois. Je suis pas fait pour les combines.
À quoi ça sert de me damner comme ça, Léon? Je ne veux pas. Bon, bon, je n'insiste pas. Mais c'est quand même dommage. Justement, on m'avait signalé une affaire épatante. Une petite salle de cinéma du côté de la porte Saint-Martin. Rien que des habitués qui viennent se plotter dans le noir. Ils regardent pas le film, alors on leur passe des programmes au rabais. Un business de tourpeau. Et honorable. On prendrait ça tous les deux 50-50. Je serais au poil. Je t'ai dit non, c'est non. Tu as bien réfléchi? Oui, t'es un dégoûtant, toi aussi. Parfait. Qu'est-ce que vous allez devenir tous les deux maintenant que le père de Robert lui a coupé les vivres? Hein? Robert cherche du travail. Puis 5 semaines. Oh, il en trouvera. 6 billets par mois et 8 jours de vacances au bout d'un an. Enfin. Si c'était mieux ça, qu'est-ce que je te propose? Tais-toi, Léon. Il est là. Sans vous contrarier, M. Desgrieux, il faudra penser à me régler. J'y pense. Ça fait tantôt un mois que je vois rien venir. Votre femme se prive de rien et alors tous les jours, ça monte. N'ayez pas peur, j'ai trouvé une situation. C'est vrai, chérie? Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Ah ben, je suis bien content. Qu'est-ce que je peux vous faire? Qu'est-ce que vous foutez là, d'abord? Oh, quoi, entre parents, on va pas toujours se faire la gueule, non? Allez, Robert, un bon mouvement. Sans rancune, puisqu'elle le veut, on va arroser ça. C'est bien ton boulot? Ben voilà, n'est-ce pas, pour un début, c'est vraiment pas mal. 10 000? Ah non, tout de même. 8. C'est pas mon vieux. Et 8 jours de vacances dans un an. Ah non, c'est trop beau, t'entends maintenant? Il y a sûrement un mais. Je trouve pas que ce soit un inconvénient. Quoi? C'était Issoudun. En province? Mesdames, garçon trois martini sec. Oui, monsieur. Ah, tu vois, mon chéri, dans un an, tu pourras venir passer une semaine ici. Hein? Ah, oh, merde, la coupure. Pour changer. Ne vous inquiétez pas, M. Léon, j'ai ce qu'il faut. Merci. En tout cas, la vie n'est pas chère là-bas. Et puis, il ne doit pas y avoir beaucoup d'occasions de dépenser de l'argent. Évidemment, Issoudun. Et l'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Pas vrai, mon chéri? Quand on aura bien une petite chambre, pas chère, on sera bien serrés l'un contre l'autre. Quand tu seras là? Mais dans la journée, je vais m'embêter à crever, moi. Mais t'auras pas le temps, mon chou. Faudra que tu t'occupes de tout. Du linge, du marché. Tu joues la petite ménagère, quoi. T'appelles ça jouer, toi? Oui, mais ce sera si bon quand je rentrerai le soir. On sera tous les deux. Tout seul. One, two. Et c'est quoi ton travail? Chez un notaire. Un gros notaire qui a besoin de quelqu'un de jeune, d'actif. Pourquoi faire? Un peu de tout. Il y a de l'avenir? Oui, commandant. Dans 3 mois, tu bêcheras jardin pour faire un peu de sport. Et dans 6 mois, tu balayeras l'étude. Allô? Histoire de rendre service. Mais t'es pas fou, Robert. Capable comme tu es d'aller gratter au fond d'un trou. Allô? Et t'as mieux à me proposer? Peut-être. Manon n'était pas d'accord tout à l'heure. Dis toujours, Léon. Au fond, c'est à Robert de décider. Qu'est-ce que c'est? Une histoire de Pinard. Paul n'est pas dans le coup, moi. Ouais, c'est-à-dire que Pinard, c'est plutôt son secteur. Alors, très peu pour moi, merci. Non, t'as tort. Paul n'est pas un méchant quand il est bourré. Quoi, il cavalait pas après Manon, peut-être? C'est un homme. Du coup, il a eu des remords, il ne demande qu'à t'aider. Après tout, si tu préfères, Issoudun. Parfaitement. D'abord, qu'est-ce que c'est, ton travail? C'est un truc confidentiel. Oui, évidemment, il n'y a plus de risque qu'à gratter du papier. Oui, dis tout de suite que je suis un dégonflé. Pas dit ça. C'est bien payé? $30 000. Par mois? T'es fou, non? Chaque voyage. Et il y en aura beaucoup, des voyages? Faut l'espérer. Je connais chez Léon depuis longtemps. C'est mon beau-frère. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous partez après-demain avec la réponse. C'est tout? Ah oui, mon vieux, c'est tout. C'est comme ça, le business, aujourd'hui. T'as gagné 30 billets de balader. Et ouais, il t'attendait. Et il y en a autant pour toi à chaque voyage. Quand est-ce que je repars? La semaine prochaine. Puis l'autre. Puis l'autre après. T'en fais pas toutes les semaines. Ça y est, encore une. Chérie. Oh, j'ai peur. C'est tout l'effet que je te produis? J'ai été ratée. Je me suis endormie dans le noir. Bien, réveille-toi. Embrasse-moi. Chez le cafard, Robert. Le cafard? Aujourd'hui, quand tout s'arrange? Tiens, regarde. Et c'est pas fini? Non, je t'en prie, laisse ça. Serre-moi dans tes bras. Fort, très fort.
Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes toujours. J'étais si malheureuse, Robert. Tu ne peux pas savoir. Pour 2 jours d'absence? Oui. On ne va plus repartir, jamais. J'ai peur que tu n'es pas là. Viens. Comprendre. Je t'aimais tant, Robert. Nous étions si malheureux. Pour le preuve d'amour, c'est trop. Elle va bien, la jeunesse. Mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? C'était un mauvais moment à passer. Et puis, je croyais qu'il ne le saurait jamais. Je te dis, tu aurais dû la remercier. Bon Dieu de bon Dieu, si une femme m'avait fait ce coup-là. Vous l'auriez tué. Moi, je serais foutu le camp, tout simplement. Eh bien, moi, j'ai pleuré. Elle a pleuré, elle m'a demandé pardon. Et tu as pardonné? Comment non? Qu'est-ce qu'il y a, jeune? Il y a un drôle de brouillage dans le secteur. J'ai repéré 2 torpilleurs qui doivent croiser pas bien loin. Ils font de la phonie avec un zinc en patrouille. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est du code militaire. Ils se comprennent pas eux-mêmes, mais ça se rapproche. Dans le fait d'Aïfa par 3 quarts bâbord, commandant. Eh ben, tant mieux. Allez, camoufler les feux, réduisez la vitesse. On a encore 1 heure de bon. On est déjà arrivé? Eux, pas vous. Camoufler les feux. Et après? Ah! Alors, tu as été ce coup-là, Issoudun? Non, la place était prise. Mais on a été raisonnable, hein, Robert? D'abord, on a déménagé. Oh, c'était pas le rêve. La vue n'était pas bien jolie. Il y avait le gars. J'ai demandé de l'aide à Léon. Il m'aurait aidé s'il avait pu. Mais il avait déjà bien du mal à finir de payer son cinéma. Alors je me suis mise mannequin. Et c'était pas drôle. Des clientes grincheuses, toujours debout, tournées, virées. Et les vendeuses jalouses, qui n'arrêtaient pas une occasion de m'engueuler. Moi, j'avais trouvé une place pas bien gaie non plus. Et le soir, je quittais le dernier modèle pour enfiler ma vieille robe. Tu l'as pas gardée longtemps, ta vieille robe? Ah, ça payait bien. Pas vrai, Manon? Elle n'a pas été longue et gagné plus que moi, monsieur Bousquet. Beaucoup plus que moi. Beaucoup trop. Et moi, je m'étonnais de rien. Je voyais rien. Comme elle m'a menti. Ça, c'est Suzette qui me l'a prêté. Tu sais bien, Suzette, la petite brune. Et ça, c'est le modèle qui a fait la collection. Il est pour rien. Et ça? C'est Suzette qui te l'a prêté? Ça? Oh, mais c'est du top, mon chéri. Oh, si c'était vrai, il y en aurait pour... Je sais pas, moi, il y en aurait pour... Environ 250 000. Vous voulez vendre? Non, merci, monsieur. À votre service, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Mademoiselle Manon, s'il vous plaît. Manon? Attendez donc, la petite Esco. Elle nous a quittés, monsieur. Il y a longtemps? 2 mois, au moins. Tu ne travailles pas cet après-midi? Pas avant 3 heures. Et toi, tu pars bien en avance. C'est que on présente la nouvelle collection aujourd'hui. Tu veux que je t'accompagne? Tu n'es pas prêt. Bon, alors ne te mets pas en retard, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Désir. Je voudrais parler à la dame qui vient d'entrer. Je crois que ce ne sera pas possible, monsieur. Il faut d'abord consulter madame. Madame? Si monsieur veut bien me suivre. Qu'est-ce que ça, veut dire? C'est pour un moulin ici. Bravo pour la discrétion. Ceci ne vous vise pas, monsieur. Mais avouez que dans ce genre d'endroit, ces rencontres inopinées sont fort désagréables. Je ne vous en salue pas moins, monsieur. Jamais content, ces vieux-là. Entrez, monsieur.
Avant tout, madame. Avant tout, monsieur. À qui ai-je l'honneur de parler? Je m'appelle André Germain. Ça m'étonnerait. Quand nous serons devenus de vieux amis, jeune homme, je suis sûr que vous regretterez ce manque de confiance. Et votre jeunesse est une excuse. J'aime la jeunesse. Je comprends parfaitement ses folies. Voyons. Quelle folie vous amène? Une jeune dame que j'ai croisée dans la rue et qui vient d'entrer ici. Ah ah, le coup de foudre. C'est charmant et très romantique. Malheureusement, cette dame est, comment dirons-nous, espérée. Oh, pas quelqu'un de très bien. Un lord anglais. C'est pas vrai. Calmez-vous, calmez-vous, nous organiserons quelque chose plus tard. Lisez, thé pour deux. Nous allons la remplacer, votre inconnue, par une inconnue encore plus belle. Mais non, madame. Attendez. Celle-là. Ah, celle-là possède une garde-robe tout à fait amusante. Un peu spéciale, c'est naturellement. C'est pas la question. Oui, vous êtes encore bien gamin. Que diriez-vous d'une Italienne? Je vous dis, madame. Ah, voilà la dame de vos rêves. Nous se réalisons, soyez tranquille. C'est une enfant, une charmante enfant. Et ce qui ne gâte rien, elle vient ici pour le plaisir. Son mari est fabuleusement riche. Vous ne vous ennuierez pas avec elle. Entrez. Sa hauteur a envoyé un chasseur, madame. Prévenir qu'il était empêché. Il retéléphonera pour un autre rendez-vous. Eh bien, en voilà un miracle. Désez une tasse de thé de plus. Vous servirez à côté. Vous êtes né coiffé, cher monsieur. Un vrai roman d'amour, et l'amour finit toujours par triompher. Vous allez prendre le thé le plus délicieux de votre vie. Vous connaissez les conditions de la maison? Tout ce que vous voudrez. Vous savez bien que vous étiez un homme du monde. Ben, prie. Installez-vous. Je vais chercher notre Benjamin. Vous connaissez? Un peu. Laissez-nous. Mais, jeune homme... Vous comprenez pas? Laissez-nous. Foutez le camp. Un instant, madame. Je vous en prie. C'est mon ami. J'avais compris. C'est bien, ma petite. Je m'en retire. De mon temps, nous les choisissions mieux éduqués. Qu'est-ce que c'est que ce petit con? Vous pourriez pas faire attention, non? Merde, alors, quel bordel. Maintenant, tu vas répondre. N'aie pas peur, je ne crierai pas. Je souffre trop. C'est bon, tu vas t'expliquer tout de suite. Eh bien, défends-toi avant quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, Robert? Moi? Bon, je t'ai suivi, tout simplement. Quand tu es descendu, je suis parti derrière toi. Pendant que tu attendais l'autobus, j'ai trouvé un taxi. C'est bien ma veine. Moi, quand j'en cherche, j'en trouve jamais. Mais c'est tout ce que tu trouves. Enfin, c'est de la folie, tu es inconsciente. Rends-toi compte, Manon, toi ici, dans cette maison. Je suis trop malheureuse. Bien sûr. J'aurais pu ne jamais rien savoir, n'est-ce pas? Tu serais rentrée ce soir comme tous les soirs, avec un bijou et un mensonge de pluie. Tu m'aurais embrassée. Tu serais couchée près de moi. Moi aussi. Je te déteste. Tu es ignoble. Tu sens l'homme. Tu sentiras toujours l'homme pour moi. Sois tranquille, je pars. Seulement avant de partir... Je veux te regarder une dernière fois. Regarde-moi en face. Et je te dis de ne pas avoir peur. Tiens, le voilà, ton petit cadeau. Merci, Robert. Tu as toujours été très généreux. Saleté! J'aurais mieux fait de te laisser dans leur patte le premier jour. Ils t'auraient rasé comme une roulure que tu es. Mais tu vas voir ce que j'en fais, des putains comme toi! Robert! J'étais fou, je te demande pardon. Ne pleure pas. Je t'en prie, je t'en supplie, je peux pas te voir pleurer. Je me suis conduit comme une brute, mais j'ai si mal. Il faut pas me croire. Tout à l'heure, je disais n'importe quoi. Dis-moi que tu me pardonnes. Mais oui, je te pardonne. Je t'aime tant.
J'ai tellement pitié de toi, de nous deux. Mais pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi? Tu n'étais pas heureuse à la maison. Je ne le savais pas bien quand je t'ai rencontrée, mais je ne peux pas vivre mal. Je déteste la misère. Si tu avais connu chez nous, tu comprendrais. Je ne veux pas recommencer la vie de ma mère. Je veux m'amuser. Je veux briller. C'est plus fort que moi. Faudrait me couper les jambes pour m'empêcher de danser. Je suis une mauvaise fille, Robert. Mais non. Pour les autres, peut-être, mais pas pour moi. Pour moi, tu es toujours la petite Manon que j'ai connue le premier jour. Je crois pas ça. Et pourtant, je t'aime toujours autant. Peut-être plus. Seulement, je ne te rendrai jamais heureux, alors quittons-nous, va, ça vaudra mieux. Profite de ce moment, tu emporteras l'image d'une sale grue, pleine de mensonges. Oh, ça t'aidera pour m'oublier. Je pourrais pas, je te sauverai, Manon. Mais tu sauveras une autre, Manon. Une autre qui vieillira vite entre les gosses et la cuisine, et dont les mains sentiront la vaisselle. C'est pas cette Manon-là que tu aimes, Robert. Tu pourrais vivre sans moi. Je peux pas vivre sans argent. J'en gagnerai. Tu sais pas, mon amour, c'est pas ton genre. T'as toujours cru qu'il fallait travailler pour en gagner. Mais ça aussi, c'est changé. Regarde Léon. Est-ce qu'il se crève, lui? Et il se prive de rien? Je ferai comme Léon, tu auras tout ce que tu voudras, je te le jure. Vrai? Est-ce que ce serait beau? Seulement tu m'aimeras. Tu me quitteras plus jamais. Pourquoi? C'est toi que j'aime. Je suis bien qu'avec toi. Embrasse-moi. Non, pas ici. Ici ou ailleurs, qu'est-ce que ça peut faire? Cet endroit me dégoûte. Rien n'est dégoûtant quand on s'aime. Pour garder Manon, je me lançais dans d'étranges entreprises. Dans la gigantesque foire d'empoigne de l'après-guerre, je prélevais ma part. Oh, une part bien modeste, hélas. Mais je persévérais. Je fréquentais de drôles de gens, de drôles d'endroits. L'argent entrait vite et repartait encore plus vite. Il nous fallut un appartement. On en trouvait encore, moyennant une honnête reprise, resté à l'endroit habitable. Tenez. Vous êtes content? Et le prochain versement? Eh bien, on verra ça dans un mois. Dis donc, Robert. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses du chauffage électrique? Je pense que c'est cher. Mais t'inquiète donc pas, mon chéri. On se débrouillera. Mesure pour la loquette, tu veux? Je sais pas comment on va s'en tirer, tu sais. Les cigarettes, c'est foutu. Le vin sera inventif dans 3 mois. Et en plus de ça, je connais personne dans les bons d'essence. 4,50 m. On ne te désole pas, je te dis. Tout ça, c'est des trucs de minables. Il y a mieux à faire en ce moment. T'as une idée? Peut-être. Tu sais tout ce qui se dévide des camps américains tous les jours. Les pneus, les couvertures. Pénicilline. Ça ne te dit rien? Si. Seulement, pour pouvoir sortir la marchandise, il faudrait se faire des amis dans la place. Et les centres personne. Ça, ça peut s'arranger. Tu m'as l'air bien renseigné, toi. Plutôt. Tu connais quelqu'un? Un américain. Puis un vrai. Il est major, il s'appelle Ralph et il commande à compte sur plus. Et où l'as-tu rencontré? Au George Stack. C'est l'ami de l'ami d'une copine. Et naturellement, il te fait la cour. Naturellement. Mais t'as pas besoin d'avoir peur, va. C'est une gourde, une croix vierge. Toi? Et dans le civil, il était professeur de psychologie. Tu te rends compte? Alors, si tu veux m'écouter, on va l'inviter à prendre la crémaillère. Seulement, faudra pas lui dire qui tu es. Il s'en doutera bien. Penses-tu? J'ai mon plan. Cher ami, permettez-moi de vous présenter mon grand frère, Léon Lescaut. Delighted. How do you do? Very pleased. J'aurais deviné. Vous êtes tout à fait pareils, tous les deux. Comment? Ah, ben oui, oui, on se ressemble. Forcément. Je suis bien heureux de vous connaître, monsieur Lescaut. Mais moi aussi, major. J'aime beaucoup Manon. Elle est très jolie.
Oui, je sais. On n'est pas là pour dire des sottises, on est là pour parler affaires. N'est-ce pas, Major? Certainly. Mademoiselle Manon m'a demandé permission pour vous visiter le camp. Très difficile. Même pour les journalistes? Donc vous savez que je prépare un reportage sur les surplus. Oui, je sais. Mais entrez off limits. Strictement défendu. Oh, ça peut pas s'arranger? Non, impossible. How silly. J'avais oublié. Invité droit à pour des souvenirs. Pour moi? Oh, Major. Permettez? Vous êtes fou, Major. Une jeune fille ne reçoit pas de cadeau. Raymond, je serai triste. Aidez-moi, Monsieur Lescaut. Ma sœur fait ce qu'elle veut. Je pense vous pas jaloux de votre sœur. Non, mais je me questionne bien. Sois gentil quand même, Léon. Va voir comment se porte le roast beef. Surveille-le. Non, tu crois pas? Vas-y, mon petit frérot. J'ai la flemme de bouger. Vous aussi, bonne cuisinière, je suis sûr. Tous les Français, bons cuisiniers. Je vois que vous êtes fâché. Pas fâché. Déçu. Je croyais que vous étiez mon ami. C'est pas ce que je vous avais demandé. Ça, je ne peux pas accepter. Je n'ai plus. Oh, grogne pas, Léon, tout est arrangé. Alors, je vous mets pour ça de tout compte, n'est-ce pas? 3, 4, 5. Maman, papa. Ça va? Ça va. Bah, couillez-vous, quoi! C'est formidable, quand même. On part pas comme ça, il aurait pu prévenir. Il est démobilisé, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ici? C'est gay. Moi qui devais livrer 500 billets de pénicilline la semaine prochaine. C'est quand même pas lui qui la vendait. Oui, bon, en tout cas, il était bougrement commode. Combien? 2 morceaux. Pas parti. Demain. À propos, tu devineras jamais ce qu'il m'a demandé. Quoi? Il m'a demandé de l'épouser. Elle est bien bonne, celle-là, alors. Il doute de rien. T'as bien dû rigoler. Pas très, non. Écoute, Robert, autant te le dire tout de suite. J'ai accepté. Qu'est-ce que tu dis? J'ai accepté. C'est impossible, il y en a de nous deux qui rêvent. C'est toi qui parles de me quitter? Mais ça me fait de la peine, Bob. Autant qu'à toi. Seulement, il faut. Ben, ne me regarde pas comme ça, voyons, je reviendrai. Mariée? Oh, là-bas, est-ce que ça compte? Alors, t'as arrangé ça toute seule, hein? Dans ta petite tête. Tu me laisses et maintenant, tu vas dire que tu m'aimes. Mais je t'aime, Bob. Je n'aime que toi. Seulement, lui, j'en ai besoin. D'ailleurs, on en a besoin tous les deux. Qu'est-ce qu'on fera quand il sera plus là? Oh, mais je me débrouillerai. Toi, sans lui? Dis donc pas de bêtises. Laisse-moi partir. T'auras même plus besoin de travailler. Lui, c'est des dollars, tu comprends? J'en ai assez, des aventures. Ralph, c'est du sérieux, du solide. J'ai vu la photo de ses usines. C'est grand. Eh ben, je m'en fous. Je t'ai, je te garde. Et tu dis que tu m'aimes? Mais tu es inconsciente. C'est toi qui es fou. Je partirai quand même. Non. Si, tu vas pas m'en tenir de force. Pas besoin. Je vais aller faire poliment mes adieux à Ralph. Et puis j'en profiterai pour lui dire qu'on l'a mené en bateau. Que t'es pas ma sœur et qu'on touche ensemble. Eh bien, si après ça, il t'emmène... Tu ferais ça? Je me défends. Alors, tu veux qu'on soit malheureux ensemble? J'ai pas le choix. Allez, ma petite fille, si tu la déchires, le ton billet d'avion. Oh, tu partiras pas, salaud! Je me tuerai, tu m'entends, je me tuerai!
Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour être martyrisée comme ça? Enfin, espèce d'idiote, tu pouvais pas la boucler, non? Tu trouves que je suis pas assez punie, non? Ah, mais tu ne penses qu'à toi. Et mes échéances, alors. Ah, on peut compter sur toi. Oh, c'est pas ma faute, Léon. Bon, tais-toi donc, il y a 6 mois que t'aurais dû lâcher Robert, on n'en serait pas là. Mais non, madame a eu peur de faire de la peine à son chouchou. T'as jamais su ce que tu voulais, au fond. Mais t'as compris, maintenant? Ben, on peut pas tout avoir, on le fric et la romance. En attendant, te blâ dans la mélasse et moi avec. Eh ben, qu'est-ce que tu fous là, ce que toi, mon Dieu? Tire-toi, Chiral! Si Bob ne me voit pas rentrer, c'est là qu'il viendra me chercher directement. Ah, bon Dieu, bon Dieu, il ne faudra donc jamais la paix, celui-là. Même un jour, une nuit. Et une nuit, tu peux te tirer en douce. Ah non, écoute, je t'en prie, recommence pas à chialer, attends-moi. Tiens, appelle hôtel 3905. Chez moi? Tu veux parler à Bob? Non, c'est pas moi qui lui parlerai. C'est toi. Un peu plus vite, je vous en prie. On fait ce qu'on peut. C'est qu'il recommence à y avoir de la circulation dans Paris. Vous prenez le plus court, hein? Je connais le chemin. C'est le premier cinéma après la Porte Saint-Denis. C'est là que c'est arrivé. C'est grave? Je sais pas. Ma femme m'a téléphoné que c'était trouvé mal. Vous m'attendez, hein? On sait pas question, j'ai plus d'essence. Faut que je rentre dîner. Ça va? Monsieur Desgrédieux? Oui, c'est grave? Non, un petit malaise. On a transporté madame à la direction. Par ici, monsieur. C'est à Henri IV que nous devons la place royale. Ce bon roi, qui était également un grand organisateur, voulait tout d'abord y installer des manufactures. Je vous en prie, monsieur. La rue Saint-Antoine, entre la Bastille et l'église Sainte-Catherine, était jusqu'au commencement du XVIIe siècle appelée la place des Congrès. Le 29 mars 1720, mon cher Rémi, mon ami, Cesplit sera pour vous prier de vous souvenir de ce dont nous parlâmes dernièrement ensemble, de cette place que je veux que l'on fasse. Cette très belle estampe du musée Carnavalet représente le carousel donné lors du mariage. Ça y est, seulement vous ferez bien d'aller le calmer un peu parce que ça finirait par s'entendre. Doc. Eh ben, qu'est-ce que t'attends, toi, Philippe? T'es libre. Ben oui, quoi, libre. Allez, c'est pas le moment de faire du sentiment. Embrasse ton petit frère. T'es chaud, hein? Allez, tire-toi. Et n'oublie pas, une fois arrivé, tout ce que j'ai fait pour toi. Dis, Léon. Quoi encore? Explique-lui ça gentiment, hein? Je veux pas lui faire de mal, bien sûr. Dis-lui qu'il n'est pas trop de chagrin. Que je pense toujours à lui. Eh oui, oui. Dis-lui. Dis-lui que je reviendrai. Il t'attendra, va, t'en fais pas. Léon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est Manon? Elle est partie. Elle est plus malade? Ben non, mon vieux, mais non, rassure-toi, elle va très bien. Seulement, elle avait besoin d'être un peu tranquille. Alors, elle préfère te savoir ici. Avec les copains. Tu te fous de moi? Où est-elle allée? Faire ses bagages, tiens. Allez, ouvre-moi. Mais tu vas mourir, nom de Dieu! Tu te peux gueuler, c'est permanent. C'est toi qui as pu le garanger tout ça. Si ma soeur me demande un petit service. Salaud! Donne-moi la clé. Tiens-toi donc, peinard. Tu m'en remercieras après. La clé! Donc calme-toi, Bob, ou tu vas faire une connerie, une de plus. T'as pas honte de te mettre dans des états pareils pour une fille qui veut pas de toi? À cause de qui, hein? Qu'est-ce qui s'est toujours mis entre nous deux? Qui lui a toujours donné le mauvais conseil? Tu parles comme Manon a besoin de conseils. Tu comprendras donc jamais, mon pauvre. T'étais un boulet dans sa vie. Pire qu'un môme. Ça pouvait pas durer. Je la connais mieux que toi. Tu pouvais rien pour son bonheur, et elle, t'as bien vu, elle pouvait te faire que du mal. Eh ben, c'est fini, c'est fini.
C'est bien mieux pour tout le monde, tu veux me croire. Je te crois. Ou la porte maintenant. On va faire. Tu veux me garder longtemps? Bah, jusqu'à ce que ce soit parti, tiens. Si je te lâche, tu vas filer de jeter à ses pieds. Et c'est toi qui lui demanderas pardon. T'en fais pas. Ce coup-ci, j'ai compris. Vrai? Ah ben, le mieux, ça. T'as rien de vrai, tout, tu sais. T'aurais jamais pu changer Manon, la nature de putain. T'as un peu poussé à la roue, quand même. Tiens, mon vieux, j'ai pas des trucs à me reprocher. Je voyais dans la mélasse. Voyage de Rome. Hein? Ça vous a rien dépanné? T'es chic, Paul. Sur les autres. Tu touchais aussi ta commission? Ah non, alors là, tu exagères, je ne connaissais pas tous. On a donc le temps que ça. Dame, c'est qu'avec Manon, l'argent, ça filait, tu le sais bien, t'en as aussi profité. Tu n'en fais donc pas, une de perdue, j'ai déjà trouvé. Paraît qu'on était un coq. Ben, moi, ça intéresse les poules, et j'en connais. D'abord, moi, je trouve que tu seras plutôt bien parti. T'as qu'à te laisser aller. Ouais, t'as raison. C'est un mauvais moment à passer, quoi. Dans deux jours, elle sera loin, dans six mois, tu n'y penseras plus. L'important, c'est que tu ne la revois plus jamais. Ça fait quand même mal. Pourquoi tu vas pas tourner de l'œil, non? Pas d'air chez toi, en tout. Attends, je te pète le ventilo. C'est toi? Ben oui, tu. Garde de Lyon. Ne raccroche pas, ce sera pas long. Voilà. Tu peux partir tranquille. Avec moi, c'est fini. Tout est fini, tout est foutu. Et t'as gagné, je te dis, je suis un assassin maintenant. Si je viens de descendre Lyon, ben moi, je fous le camp, hein. Mais tu es fou, c'est pas possible. Où vas-tu? À Marseille, tiens. C'est là qu'on se cache, il paraît. Au commissariat, je sais pas. Tu verras ça demain dans les journaux. Adieu. Allô? Allô? Voulez-vous
madame, ce wagon est interdit aux Françaises. Je vais en tête, j'ai un billet de première. Bon, ben, stationnez pas dans le couloir. Mais c'est contre partout, c'est pire que dans le métro, oui. Partez, ma petite chatte. Partons, je sais pas ce qu'il y a. Oh, mais vous pouvez pas nous foutre la paix. Mais laissez passer. Ah, merde, alors. Vous pouvez pas rester à votre place, non? Laissez passer. Ah, ben, voulez-vous que je me mette sur le toit? C'est non voir, hein. Laissez passer. Laissez passer. Oh, mais si on pouvait porter, vous croyez que le petit fait ça devant tout le monde, non? Ah! Quelqu'un du bord qui vous a fait embarquer? Non, on est monté la nuit, quand l'homme de coupé faisait sa ronde. Ouais. Alors? Alors quoi? Je sais pas. Moi non plus. Le jour se lève, commandant. J'arrive. Commandant. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Mon petit, j'ai pas le choix, j'ai reçu des ordres. Ils seront après-demain à Alexandrie. Qu'est-ce que vous attendez, vous? A tous ces intérêts, je vous relève. Oui, cause toujours, tu m'instruis. Allez, vite, fais chemin. Hein. Allez, hop. Allez. Vite, hein, non, c'est pas normal de vous abandonner. Il y a peut-être un avion qui va nous tomber sur le poil. Eh bien, vous vous réveillez, vous? Monsieur Pascal, allez, pressons, pressons, le temps me dure, hein. C'est fini, commandant. Fini? Oui. Et c'est deux voyous, alors. Allez, balancez-moi ça par-dessus bord. Qu'on reste entre gens comme il faut. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez, Garapia? Oh, merci. Merci, commandant. Merci. Oui, ça va, demain. Demain, il est une politesse. Allez. Oui, foutez-moi le cas, hein. Foutez-moi le cas. Hein. Je savais bien que vous étiez un brave type. Un vieux con, oui. Un vieux con qui se prépare à des beaux emmerdements par votre faute. Tout en avant.
Mais quel va être à fond? Le moteur est scalé, vous vous gagnez vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Le moteur est foutu, on continue à pied. Allons, bon. Pourquoi on n'est pas resté sur la route? Il paraît que c'est plus court par là. Tant mieux, parce que je me sens pas faite pour le camping. Allez, en avant. Allez, viens. Allez, viens vite. Voltaire!
Voilà, j'arrive. Regarde. Oh, c'est marrant. Chérie, on se croirait au paradis. Tu connais ça, toi, le paradis? Bien sûr, je me rappelle les images de mon histoire flash. Oh, Robert, je suis trop contente. Pourvu qu'il nous arrive rien. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive, maintenant? Au contraire, va. Nous allons leur montrer que c'est possible d'être heureux. À qui? À tous ceux qui sont contre. Fréquence de Bible. C'est ton frère. Sean. Chérie. Chérie, on s'en va. Déjà. Regarde. Oh, laisse-les partir. On est si bien. On n'a pas besoin d'eux. Mais qu'est-ce qu'on ferait ici? On achèterait des palmiers, on mangerait des dattes et on aurait beaucoup d'enfants. Alors, sois pas bête, chérie, tu rêves. Peut-être. Un beau rêve, en tout cas. Nous deux, toujours tout seuls, au paradis. Allez, viens vite. Tu le regretteras. Tu verras. C'est pas marrant. Oui. On était au paradis, on est en enfer. C'est pas ici que je viendrai finir mes jours. Oh, regarde. Il est drôlement nettoyé, celui-là. Ça ne doit pas manquer de chacal par ici. Ni de vautour. Dis, il ne mange que les morts, hein? Ben voyons. Et puis quoi, je suis là, moi? Allez, viens, mon chéri. Adam. Ah. Ja, je crois. ايوه سيرونا انا اسبوكس ايوه
plus mal, je t'assure. Je suis trop petite, il y a trop de soleil. Mais écoute, Manon, il faut traverser. Au bout de la vallée, il y a une plaine, et dans la plaine, il y a un puits. Non, non, je te crois plus, c'est fini. Laisse-moi. Ah, c'est fini. Est-ce que tu t'imagines qu'on va rester ici à crever comme des chiens, non? Tu marcheras de force. Allez, viens. Tu veux venir, oui? Tu marches? Blessé? Ça m'a fait comme un coup de fouet. C'est rien, dit. Non, c'est rien. Oh. J'ai un tout froid. Ne te fatigue pas. C'est toi qui es fatigué, je me suis fait traîner. Comme je t'ai donné du mal, toujours. Mais c'est fini. Je vais marcher toute seule maintenant, tu vas voir. Emmène-moi vite, vite au bord de l'eau. Mais tu pourras pas. Si, si, y a pas, il faut. Aïe! Pardon, Bob. Tais-toi, mais viens, je t'en supplie. Aïe! Maintenant. Essaye de vivre. Sans toi, je pourrais pas. Il faudra bien. Si tu étais pas là, qu'est-ce qu'il penserait à moi? Je serais morte tout à fait. Mais tais-toi, Manon, je veux pas que tu meurs. Oh, moi non plus, je voudrais pas. Mais c'est pas possible. Je suis trop loin maintenant. On a été heureux. Pas comme les autres. Mieux que les autres. Mais bien sûr, on s'aimait plus. Tu vois. Toi. J'en ai fait le chemin pour venir mourir ici. Près de toi. Mais c'est ma faute. Tu es bête.
Tout est bien comme ça. Plus rien viendra abîmer notre amour. Jamais. Mieux au bord de l'eau. Des états pareils pour une fille qui veut pas de toi. Et ici pour le plaisir. Je ne vous ennuierai pas avec elle. Mais t'es un boulet dans sa vie. Pire qu'un môme. T'es bon, même s'il en faut à ces petites familles. T'aurais jamais pu changer maintenant, les bientôt de bouteille. C'est une enfant. Charmante enfant. J'aime beaucoup, madame. C'est une mauvaise bête, là, Manon. Elle est vieille, elle est maligne. Alors, j'ai profité. C'est une ordure. Un vrai roman d'amour. Là, c'est fini, c'est fini. Oh, les gars, la marre à la tondeuse. Non, je te demande pardon, j'en peux plus. Le paradis, c'est trop loin. C'est trop difficile. On va rester ici, quand même. Toujours. Ils mangent que les morts, hein? Oui. Mais t'inquiète pas, je vais arranger ça. Quel état ils t'ont mise? Toi qui aimais tant les belles robes.
Ça, tu seras bien. Tu vas dormir gentiment. Tu es à moi tout entière. Les autres n'auront plus de prendre. Te salir. J'ai tellement souffert de les sentir autour de toi, de t'imaginer dans leurs bras. C'est fini, Manon, fini, tu les intéresses plus. Qu'est-ce qu'ils feraient de toi maintenant? Ce qu'ils aimaient, c'était ta peau. Ta peau si douce et ton parfum. Et ta peau va craquer, Manon, et tu sentiras la mort. Et moi, je t'aimerai toujours. Je resterai près de toi jusqu'au bout. Viens, t'écoutes-moi, tu sais. Tu vois, je me colle à toi. Serre-moi dans tes bras. Fort, très fort. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes toujours. Je t'aime, Manon. J'étais si malheureuse, Robert. Tu veux pas savoir. Mais je sais, mon amour. On va plus repartir, jamais. J'ai peur que tu n'es pas là. Je ne repartirai plus. Tu es à moi maintenant. Qu'est-ce que je suis?